Yo les boys, avant que cette vidéo de qualité commence, je voulais juste les gars faire un petit unboxing parce que ce matin, j'ai reçu la boîte mystère des motherfuck boys. Si vous voulez commander une boîte mystère ou vous acheter du linge ou des buck chug ou whatever des buck boys, faites-le sur buckboystv.ca. Gros shout out à eux. Quand vous ouvrez ça les boys, faites un bac à surprise, ok? On pogne de quoi puis on ouvre. Oh! Déjà, je pense que j'ai un morceau. Holy shit! Ben voyons donc! Un petit chandail, ben voyons donc, de Bug Boys. In! Il scène mon chum. Un petit hoodie, ben voyons donc. Quand même très stylé, en plus, il est en noir. Fait que ça se porte bien. J'adore, j'aime bien. Premier item incroyable. On va fouiller les boys, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai une petite photo des Bug Boys comme ça. Il est écrit: merci du support pour te remercier d'avoir commandé la plus belle merch au Québec. On t'offre 10% de rabais sur ta prochaine commence BugBoysTV.ca. Donc là, j'ai le code que je n'aimerais pas parce que c'est. C'est un code qu'il y a seulement moi qui peux l'utiliser pour ma prochaine achat. Puis incroyable les boys, fait que j'ai un 10% de rabais sur un prochain achat. Et les deux derniers trucs les gars qu'on a eu dans la boîte avec le hoodie et justement la petite cape. On a un petit buck chug les boys en rose et ça pour soincer. Mais sur ce les gars, c'était le petit moment spécial unboxing Bug Boys. Et sur ce, je souhaite une bonne vidéo. Good morning guys, bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est présentement 10h45, on vient de se réveiller guys, aujourd'hui, vidéo très attendue. Ça fait un an les gars qu'on avait tourné la vidéo numéro 1 de 24 heures dans ma vie de streamer. Donc en un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé, le setup a changé, mes habitudes de vie ont changé, etc. Donc aujourd'hui, vous allez passer toute la journée avec moi dans ma vie de streamer. Et sur ce, on va se lever tranquillement, on va s'habiller, on va aller déjeuner. Ça part les boys, let's go. C'est good les boys, c'est fait, on est habillés, on va aller déjeuner. On a même le chien Tyson qui est là ce matin. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez c'est quoi mon petit repas traditionnel le matin. Ça a pas changé depuis un an. Boum, double gaufre, comme ça. Bam, avec Nutella bien évidemment. Donc, ça part. Deux petites gaufres parfaites les boys. Et voilà le travail. Et là les boys, on va tartiner le tout. Ça, je vous dis, c'est le déjeuner classique de Cleese. Pour vrai, si vous savez qu'est-ce que je mange le matin, tous les matins, deux gaufres Nutella, mon pote. Des fois, je fais des exceptions. Je mets des fruits, je mets des bananes, ça, des fraises. Donc là, on tartine ça. On va manger ça en écoutant les petites vidéos. Et on se voit après. On vient de finir de déjeuner, guys. Les petites gaufres qui ont fait plaisir ce matin. Il faut se brosser les dents parce que c'est bien, les gars, d'avoir une bonne hygiène de vie. On a fini de se brosser les dents, guys. Et là, je fais une petite hashtagade en plein milieu de cette magnifique vidéo pour vous dire que dernièrement, j'ai été contacté par quelqu'un de ma région, de ma ville, tout simplement, qui a starté une marque de vêtements et il m'a proposé d'avoir mon propre style de vêtements sur son site internet. Et donc, il m'a envoyé des photos, des designs, whatever, et j'étais totalement d'accord. C'était juste incroyable. Donc, guys, si vous allez voir le premier lien dans la description, vous pouvez aller sur le site de flyway.ca. Vous pouvez aller, guys, vous chercher votre chandail Cleese. Il y en a en noir, en blanc, en gris. Ou sinon, votre coton ouetté. Et donc, guys, moi, j'ai le chandail en noir juste ici. By the way, avec le code Cleese, vous avez un pourcentage de rabais. Donc, voici le chandail, les gars, comment ça se présente. Le devant, c'est comme ça. Petit signe japonais. Et dans le dos, boum, comme ça. Cleese en blanc, un K en mauve, un K en blanc et encore des signes japonais sur le côté. Donc, le chandail, les gars, je le trouve vraiment stylé. Merci encore à Flyway d'avoir fait ce chandail-là. Peut-être, les gars, dans l'avenir, ils vont avoir d'autres chandails avec eux. Mais je voulais essayer ça avec eux. Fait que, guys, n'hésitez pas à les supporter. Si vous voulez votre propre chandail, allez dans le premier lien dans la description. Et c'était mon petit moment hashtag ad. Voilà quoi. Donc là, les boys, je vais vous montrer traditionnellement qu'est-ce que je fais quand je pars en stream. J'allume le PC juste ici. On allume la lumière. On allume l'autre lumière. Et on allume ensuite cette lumière-là. Et là, vu que justement c'est le jour et que, waouh, il fait clair, tu vois, comme ça, ben là, la technique, les gars, c'est de tout simplement baisser le store. Je vais aller baisser le store, les gars, puis je vais vous montrer après. Donc voici à quoi ça ressemble quand les stores sont fermés, guys. Ça fait une ambiance un peu plus sombre avec les petites lumières en arrière. Je trouve ça vraiment, vraiment insane. Fait que là, guys, on ouvre l'ordinateur. On va aller tout simplement voir qu'est-ce qui se passe sur les internets. Je vais vous laisser juste ici, regardez, je vais vous mettre derrière moi. Donc là, les gars, on va aller se balader un peu. On va aller voir. La dernière vidéo, est-ce que les gens aimaient ça? On est rendu à combien de vues sur la vidéo, etc. On va aller voir tous les retours par rapport à la vidéo, donc c'est-à-dire les commentaires. Et on se voit tout de suite, les gars.
Donc là, guys, simplement, je t'allais voir quelques messages, t'allais voir commentaires YouTube, etc. J'ai même écrit sur mon Discord qu'on partait en stream vers 1h. Donc, dans la vidéo, il va y avoir des moments durant le stream. On s'en fait une session Fortnite, guys, en arena. Bon, on va voir comment la game va, tout simplement. Non! Ah, GG, guys! Top 2! First game de la journée! Top 2 à cause que j'avais plus de match, je peux pas prendre la ground. Aïe, 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 mais bien joué pour elle! Ok, les boys, on va s'habiller plus chaud. On va se mettre des culottes longues. Et on va les faire promener le chien. Parce que lui aussi, il faut qu'il prenne l'air, les gars. C'est bien prendre l'air soi-même. Mais quand vous avez des animaux de compagnie, guys, faut que eux aussi, ça soit important qu'ils prennent l'air. Regardez-le, celui-là mort. Mais là, on va aller marcher. Donc là, il va se lever, lui. On s'en va marcher, mon chien! Éteins, on s'en va marcher! Go! Allez hop! Donc là les gars, on va lui mettre son petit collier. Assez Tice! Bon chien! Comme ça. Tac! Et voilà, il est prêt le beau chien. Comme la dernière vidéo, guys, 24 heures dans ma vie de streamer, je l'avais dit dans ma vidéo que c'était important, les gars, de sortir, tu vois. Aussi, les gars, il y a une question qui m'a beaucoup été posée quand je sors des vidéos ou whatever, puis je vais y répondre dès maintenant. Il y a plein de gens qui me demandent, yo, t'es pas gêné de sortir une caméra en public, que ce soit, exemple, dans un centre d'achat, ou genre juste comme ça, tu sais, en plus, j'ai une grosse caméra, tu sais, un bon gros micro-rod avec une grosse caméra comme ça. Puis il y a du monde qui me demande, est-ce que je suis gêné de sortir? Les gars, si vous voulez être un bon YouTuber, faire des vlogs, la pire chose, c'est d'être gêné. No joke. Si vous voulez faire des bonnes vidéos IRL, des vlogs, ben, si vous êtes gêné, c'est la pire des choses. Ben, moi, je vous conseille de commencer à parler tout seul devant une caméra chez vous. Puis, si à un moment donné, vous vous sentez à l'aise, ben, boum, tu commences à sortir ta caméra dans le lieu public, puis ça part. Ouf, petite marche terminée, les boys. Il est midi 27, les gars. Là, on va se déshabiller. On va dîner. Parce que là, les gars, ce que j'ai dit, c'est que je faisais un stream dans environ une trentaine de minutes. Ça va peut-être aller à demi, finalement, le temps que je mange et tout ça. On a la petite salade, les gars, les petits croutons et tout. Fait que, les gars, ça va manger le dîner. Et ensuite, ça va partir en petit stream, les gars. Ben, on se voit avant d'aller starter notre fameux stream. J'ai bien mangé de ouf. Là, on est posé, on est prêt à starter un petit stream. Si vous êtes toujours pas follow à mon Twitch, ben, venez me voir, lien dans la description. Et puis voilà. Donc là, les gars, je vous fais une transition de ouf. On va passer de ma caméra live à tout simplement mon ordinateur. Donc, on fait transition de ouf, les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Salut les mecs, comment vous allez? Donc tout simplement guys, nous on va partir en stream. Il va y avoir un petit montage, vous montrer les best moments du stream d'aujourd'hui. Et on se revoit ce soir après le stream. Hey PRD, ouais. Tu sais que le poisson à ma cousine aujourd'hui c'est Nayi frère. D'ailleurs. Je te jure man. Oui il est mort Nayi. C'est Nayi man. Ben ça se respire pas sous l'eau un poisson. Oh le cul de cet homme. Non mais clipper poisson, oh mon dieu. Oh, j'ai rarement vu les gars du monde avec autant peu de cuit. Oh oui! 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 Non! Non, 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 oui! 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 Let's go! Let's go! Clippez-moi ça, chat! Oh les gars, clippez-moi ça dans le chat! C'est ce qui complète ce magnifique stream de 8h30. Donc pour vous, ça a duré quelques secondes, quelques minutes. C'était vraiment, vraiment insane. Il est 22h15. On vient de terminer. Et là, tout simplement, on va aller fermer l'ordinateur ou peut-être rester un peu Discord avec les boys. Et ensuite, ça va être petite collation suivie d'un petit dodo. Et voilà quoi. Donc là les gars, on était en voc avec les boys, on chillait tout ça. Il est 23h19. Donc ça va maintenant être le temps d'aller se coucher. Merci les gars d'avoir passé cette magnifique journée 24h avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous aime, j'adore. On se voit vendredi prochain. Bonne nuit les gars. Peace.